Bonjour monsieur, comment allez-vous? Un petit mot à la caméra? Filet en poulet. Oh là là, on est content. Oh là là, tout ça. Bonjour les gens, alors aujourd'hui on va s'occuper du développement des pellicules. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Rolet Superpan 200, elle aime pas le cafénol. C'est une pellicule qui n'aime pas le cafénol. Mais vous savez que je ne développe qu'au cafénol et j'aime pas rester sur un truc comme ça qui fait qu'elles se s'entendent pas. J'ai découvert sur certains sites que elle aime pas le cafénol en développement classique, mais elle aimerait bien le cafénol en stand-dev. Donc on va faire un petit semi-stand-dev avec une recette que je n'ai jamais testé, c'est une recette différente. Voilà, voilà, normalement là on est en train de mettre toutes nos chances de notre côté pour pouvoir développer cette pellicule. Pourquoi je la développe pas avec des chimies classiques? Alors, parce que une, j'en ai pas. Enfin, si j'ai du Rodinal, mais périmé depuis 107 ans, donc on va peut-être pas tenter le diable. Après, je pourrais l'emmener dans un labo, effectivement, mais les développements noir et blanc, c'est assez coûteux et puis ça m'embête un peu. Alors, j'ai pensé à demander à Fanny, coucou Fanny, si tu passes par là. J'ai pensé à lui demander parce qu'elle, elle développe souvent des pellicules noir et blanc, mais j'avais pas trop envie de l'embêter, du coup, bah, j'ai opté pour faire au cafénol en semi-stand. On va préparer le cafénol, on va tenter avant de plonger celle-ci évidemment parce que faut pas être con quand même. Alors j'aime bien prendre des risques mais pas pour cette pellicule. J'aimerais ne pas en prendre trop. On va plonger deux pellicules que j'ai faites. Deux autres qui ne. Voilà, si j'ai un souci avec, c'est pas très grave. Il y a.
Il y a la Fomassan qu'on a faite avec le Nikon FE. Donc la pellicule qu'on a faite pendant en même temps. Mais vu que j'ai à peu près doublé les photos, ça devrait aller. Et on a aussi une autre Fomassan d'un autre événement où il y a simplement 15 négatifs, donc ça devrait aller. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. On se lance dans l'aventure avec une toute nouvelle recette. Et croisons les doigts. On a terminé le premier développement avec cette nouvelle recette de stand-dev. C'est ultra concluant. Je suis vraiment super contente. Donc, je reste confiante pour lancer cette fois-ci la Super Pan 200. On va faire ça un petit peu plus tard là, dans la journée, je pense. Et croisons les doigts. Mais franchement, je suis confiante parce que quand je vois les résultats qu'il y a eu, je suis super contente. Voilà! Bon, je vous fais un résumé de ce qui s'est passé pour
La fin de cette aventure de boxe argentique, alors c'est pas tout à fait la fin, mais du moins l'histoire du développement. J'ai commis plusieurs erreurs.